Yo les copains, épisode 8 de Pro Gamer Manager, on est parti. Alors, dernière vidéo, on a fait des petits games, on a augmenté un peu tout ça, on a un peu de rage en nous. C'est normal, on arrive jour 40. Bon, on continue d'évoluer, c'est ça qui est bon. Alors voilà, c'est là que ça devient intéressant, c'est pour ça que je voulais quitter l'équipe, voilà. Faut battre Team Contract pour Patry Domination, voilà, je jouerai à la mid lane. You would not want to miss this chance. 48 289 par semaine. Tu m'étonnes que je vais rester joueur. Attends, mais voilà, j'ai même plus besoin de streamer là. Je campagne sur les nichons, mon gars. Voilà, bon, en fait, j'ai fait comme si j'avais mis un facecam, mais en fait, il n'y en avait pas. C'est exactement ça. La hype est vraiment grand. Bon, y a un nouveau casque, tout ça. Du coup, ça fait vraiment plaisir en fait là. Genre, je vous avouerai que je suis plutôt content. Genre, en gros, le salaire que je vais avoir, c'est 4 fois. Enfin, c'est exactement ce que j'ai fait en streamant pendant un moment là, quand même. Du coup, ça veut dire que j'aurai plus d'ellipses à faire, tout ça. Enfin, ça me fait plaisir. J'ai pas du tout regardé ce qu'ils font. Du coup, ce qu'on va faire, c'est genre. Ah, je peux pas l'enlever. Bah, on va jouer comme ça alors. Mais bon, après, quand tu gagnes 40 000 boules par semaine, au fond, est-ce que tu t'en fous un peu? Hein? Ah, je suis refait là. Oh, pff, je vais jamais gagner. Hein. Trop le support. Voilà. Ok, en plus, je rage. C'est pas grave, on va rejouer. J'ai même pas cliqué sur le bon truc, mais. Oh, je suis pas chaud là en début de vidéo. Hein. Allez, on va se ressaisir. Attention, petite tartasse sur la joue. C'est bon, on est parti, on n'a pas de dégâts, ils ont pas de disengage, du coup on va forcer un engage, du coup on va jouer agressif, on va flank. Oh, moi je flank, je le sens bien. Alors 70, 80, 90, et c'est la défaite. Je vais jamais gagner, mais là c'est pas moi qui ai fait perdre mon équipe. J'étais le meilleur joueur d'ailleurs. Voilà. C'est pour vous dire que j'ai bien joué. Mais là, j'ai de la rage en moi. Du coup, on va regarder Bjergsen. Sachant qu'il gagne deux fois mon salaire, ce bâtard. Et ouais. Allez, on enregistre ça. Enfin, on apprend du streaming. Hop là, on a bien appris. On va re-regarder du faux bas encore. Ah, ça fait plaisir ça. On apprend. Et j'apprends. On va faire descendre la rage parce que sinon ça va pas être possible quoi. Ça ne va juste pas être possible. Hop. Ça fait quoi, 3 minutes, ok. Désolé, je me parlais à moi-même. Oui. C'est exactement ce que je faisais. Du coup, on va jouer à faux pas pour la dernière game. On va rejouer lui. Allez, on va jouer avec la team. Je vois où c'est une sorcière. Avec deux balais. Genre un balai dans les fesses et un balai dans la main. Ah, ok, glace canon contre glace canon. Du coup, bah. Allez, on gagne, mon gars. On gagne. Allez, attention. 70, 80, 90. Tu le sens le suspense là. Tu le sens. Et puis si c'est la défaite là. Non, voilà. La victoire quand même. C'est pas trop tôt quoi. J'en pouvais plus de perdre. Là, je ne gagnais plus. Alors que tu vois, normalement, c'est l'inverse. Genre, au début, tu perds beaucoup et après, tu gagnes. Moi, j'ai beaucoup gagné au début et là, j'étais en mode, ok, bah, je vais tout perdre maintenant. 518 en mécanique, quand même. Il faut plus de com. Je vois. On va faire le dodo. On est reparti là. On est reparti. On est chaud bouillant, les gars. Franchement, ça bouillonne. Je le sens à l'intérieur de moi. Jour 41. Alors, Timic Superstar Midlaner Bjergsen. Il a gagné le trophée de MVP et 150 000 crédits. Il y a une saison magique qui a dominé la FPL, donc les LCS quoi. Du coup, c'est Bjergsen le beau gosse. Eh, mais moi quand même là, je suis 17 000. J'aurais bien joué là. Je vous avouerai que j'ai plutôt hâte.
Et on part sur un pic de confort, on va rejouer lui. Je le sens bien les gars, je vous le dis. Oh, il est trop stylé sur un pion. Je vais le dire à chaque fois que je vais le voir, mais il est vraiment stylé. Donc là je suis reparti sur Ibimwen et on joue contre un oiseau. J'ai pas regardé si ça avait changé. Enfin, bref. Des Jenga, normal. Flambac. Faudra que je regarde si la tiraliste a changé. En tout cas, ça m'intéresse plutôt pas mal. Oh. Et 15-9, genre c'est moi qui ai fait de la merde. Game ok. Mais il y a quand même eu. Ils sont jamais contents. Hein. Ils sont jamais contents. On va rejouer. On va farm le pic de confort. Histoire que je le maîtrise, parce que bon, après ça maximise les chances de gagner quand on joue un pic qu'on maîtrise vraiment. Même si j'aime pas vraiment ce champion, faut quand même le farmer. On n'a pas d'initiation, ils sont full AD. Ils sont full AD, du coup on va jouer agressif, kill midlaner, flank backline. Voilà, non mais là je vous le dis, là je vais jouer un peu en YOLO. Et j'ai hâte en fait de faire des matchs de team. Mais pas avec ma team à moi, avec la team dans laquelle je suis là actuellement. Perfect carry crushing by midlaner. Et ouais mon gars, j'étais trop chaud pour toi. On commence à casser de la bouche un peu quand même. Et ça fait plaisir. Ok, donc elle a pris une meuf en tutu. Et qu'il a pris un taureau électrique. Ok, pas d'initiation. S'il n'y a pas d'initiation, ça veut dire qu'il faut... Ouais, non, on va jouer agressif comme ça, moi ça me plaît. J'aime bien ce style de jeu agressif en fait. Ce que j'aime bien moi dans les games. Voilà, on va parler un peu de sujets qui sont pas forcément en rapport, mais moi ce que j'aime bien là-dedans en fait, enfin dans la League of Legends on va dire par exemple, c'est que c'est les équipes qui font des méta un peu en mode on va tout jouer là-dessus, et en fait c'est tellement ballsy, et c'est ça qui est beau à voir dans un sport au final, c'est de se dire que qu'il y a quelque chose de tellement travaillé qu'ils ont tenté. Je pense par exemple à la double TP, je sais pas si vous en souvenez, mais des Origen, qui, je sais plus contre quelle équipe c'était, mais voilà quoi, le Cold Nashor mais divin qu'ils avaient fait. Enfin voilà quoi, les XPK hein, tout simplement. XPK. C'est voilà. Et Fnatic aussi, voilà, genre. Je pense que si vous êtes là, si vous connaissez quand même un peu la Ligue des Légendes, et genre le mec qui arrive au World et qui te sort un Kennen ADC, voilà quoi. C'est tout. Enfin bref. Sinon, récemment, il y a. Comment ça s'appelle ? Comment cela s'appelle-t-il ? Il y a le jeu Fallout 4 qui est sorti. Et j'avoue que je me tâte à l'acheter. Parce que bon, c'est quand même de l'argent, hein, je vous cache pas. Je peux pas. On va dire que je roule pas sur les cacahuètes non plus, tu vois. Mais je me tâtonne à l'acheter quand même et peut-être faire des vidéos dessus. Je sais pas encore. Après, c'est vrai que c'est intéressant de faire des vidéos sur Fallout. Bon, vu le nombre de gens qui font des vidéos dessus à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on va faire un let's play? Il aurait fallu s'y prendre vite, quoi. Ouais, je sais. Donc, j'ai aidé quelqu'un à faire un penta kill. Il m'a dit ce que t'as fait à la dernière game. Waouh! Du coup, j'ai dit oui, je sais. Parce que je pèse trop en fait. Du coup, on continue de farmer. Du coup, je vais pas trop me focus sur le gameplay. On va plus dialoguer. Dialoguons. En ce moment, je joue à plusieurs jeux, dont Planet Base, que j'en ai parlé. Je vais d'ailleurs sûrement faire une vidéo dessus d'ici peu. Parce que bah, c'est vraiment un jeu intéressant. Et c'est surtout de la gestion. Et c'est ça que j'aime en fait dans le jeu. Du coup, ouais, ça fait plaisir. J'ai pas du tout regardé ce que j'ai fait là, du coup. C'était une défaite assez méritée, je présume. On y va, on rejoue le pic de confort. Apparemment, ça décarie, il a l'air de passer. Faudrait que je regarde la tier list aussi. Oui, le ham là, mais là il passe encore. Tu vois, quand tu le dis de temps en temps, le ham il est pas mal. Alors, attention, glace canon team contre no damage. Attention, des glace canon, mon gars. Donc, ils sont perdus. Ils ont perdu dans le pick-up normalement. Oui, sinon je joue un peu à FIFA, tout ça. Et je pensais intéressant peut-être de faire une petite compilation pour savoir que moi,
niveau montage, je suis pas le meilleur quoi. Genre quand je commence à me mettre sur un logiciel de montage, je sens le Windows Movie Maker. Parce qu'en après en soi je suis bidon quoi. Oh, j'ai pas pris le même champion que d'habitude. Oh là là, c'est pas lui que je voulais farmer. Bon, c'est dommage. Une team gaz canon contre une team gaz canon, regardez ça. Du coup, voilà. Après Fallout, moi ça m'intéresserait vraiment de faire un let's play dessus, mais j'ai peur de me sentir un peu lâché dans le gameplay parce que j'ai pas fait le 3. Du coup j'aimerais bien me faire le 3 avant, tout ça. Après ce que j'aimerais bien pouvoir faire aussi c'est... comment cela s'appelle-t-il là? J'avais mis un truc... Ouais. C'est essayer de record des jeux de GameCube, mais bon là il faudrait que je branche la Wii et tout, mais... J'ai quelques jeux pas mal après, du coup, voilà. On est une team baleine, tu vois, bon, on va rester là-dessus. Voilà, après sinon, ce jeu-là en particulier me plaît beaucoup. Du coup, je vous avoue qu'après je me demande est-ce que je ferais pas un peu de Game Dev Tycoon aussi, quoi. Parce que bon, dans la catégorie des jeux qui se ressemblent à s'y méprendre, Game Dev Tycoon est... Et Pro Gamer Manager sont vraiment assez proches au niveau du gameplay. Du coup, intéressant quand même. Alors, ils ont pas d'initiation. On n'a pas d'initiation, ils ont pas de disengage. Ils ont pas de disengage, on va forcer le fight. On va rejouer comme ça. Du coup, voilà, moi ça m'intéresse. J'avoue que je suis assez intéressé. C'est la défaite, malheureusement. Un petit 0-15. Giving a race farm for is not a winner. Ok. On va aller dormir. J'aurais peut-être pas dû jouer à cause de la fatigue. Je sais pas si le pourcentage de fatigue affecte vraiment le joueur ou pas. Du coup, autant vous le dire là, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre les matchs. Voilà, comme celui-ci. Is to win late game. Pick a sustain champion. Sustain, c'est Mouchou, c'est Ali Wen. On va jouer Ali Wen. On va focus avec la team. Donc notre plan, c'est de win late game. Du coup, on va jouer passif. Que je vais faire en fonction de early game. On est une team early game, on va pas win late game. T'es un fou, toi. Putain, ça m'énerve, hein. Du coup, je fais pas vraiment ce que j'aurais fait en temps normal, mais. Et bon, après, en fonction de la team, on pourrait peut-être gagner, mais je pense que là, c'est la défaite quand même. Non, c'est la victoire. Ok, 8. On a eu le first blood, la tier 1. En fait, on a tout eu. On les a démontés. C'est ça qui est bon. Ouais, alors, du coup, la team, elle est où là? On est en Amateur League 1. Ok, bon, je gagne 42 000 par semaine. 48 000 par semaine. Je suis 14 millième joueur au monde. Donc il y a un moment où je pèse, quoi. Genre, le mec, il joue que 3 games par jour. Un des meilleurs joueurs au monde. Oui. Oui. Allez, on repique Ibimwen. On n'a pas de tank, ils sont gaz canon. On joue offensif, on va dans leur jungle. On leur casse les pieds. Ouais, moi je reste poli à tout moment, le mot couille n'arrivera pas dans cette vidéo. Hop là, c'est la victoire. Moving like water, making its way through cracks. Oh, on a bougé comme l'eau, on a fait notre chemin et tout. Ok. J'étais chaud, j'ai pris la première T1, la deuxième, la première T2. On a bien roam. C'était une bonne game. On va le rejouer. À la fin de cette game, on va regarder un peu où on en est dans sa maîtrise. Parce que quand on a fini de maîtriser, on va arrêter de jouer. Il a pris Nalan. Ah là là là, on est une team early game et ils ont pas de tank. On est une team early game, du coup on va focus les tours. Et on va jouer offensif. Hop là, on clique. On a le clic facile ici, hein, je vous le dis. Et c'est encore une victoire. Après, je pense que quand on commence à maîtriser les champions, ça va vite quoi. Genre, y a pas de secret.
Ok. On a gagné, mais on n'a rien eu en fait. Genre. On a eu chaud, on a dû retourner la game sur un move, tu sais, c'est genre la game où tu fais un sneaky nashor et puis tu gagnes, mais tu sais pas comment. Enfin, tu sais comment. Ah, j'ai oublié de regarder. On va voir ça à la fin de cette game, du coup. Pas d'initiation et une team early game, parce qu'une team early game, du coup, on va faire comme ça. Et c'est la victoire 24-4 quand même. Notre jungler a fait des ganks masterful. C'était voilà, c'était un truc de fou, c'était digne d'un maître, tout ça, tout ça. Alors, et avant d'aller dormir, on va pas stream, on a plus besoin de stream en fait, c'est ça qui est bon. On a assez d'argent pour continuer juste à jouer en fait. Et non, j'ai oublié de regarder. Ah. Bon, à la fin de cette game, je vais dormir. Non, je sais pas, je peux regarder le profil quand même avant de dormir. Du coup, je vais regarder le profil et après on va dormir. Alors, pas de disengage et une team full AD. Bon, ils ont une team full AD, du coup, un jeu normal. Et on va prévenir le disengage parce qu'on a pas de disengage. Je vais invade. Non, j'aurais pas dû invade la jungle. Pourquoi je invade la jungle? On va perdre à cause de ça. Donc, comment dire que je l'ai laissé free farm, machin. Je prévois un 2-24 pour moi. Ah, 5. Hop là, profil. Eh, hey, on est presque à fond. Ça qui fait plaisir. 621 en mécanique. Alors là, on commence à être chaud. Genre là, c'est plutôt pas mal. Après, faut encore qu'on travaille le lane freeze. Le outzoning, il est. Ah, il est là, ok. Je croyais que c'était là, genre un bug. Mais bon, voilà, faut qu'on travaille le roaming. Tout. Ouais, la créativité, l'adaptabilité, l'anticipation. Ok. Intéressant. On va faire le dodo. Et on va voir ça aujourd'hui. Enfin demain, mais pas demain hier, tu vois, demain dans le jeu. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ça fait plaisir. Hop là, on a reçu un petit mail. Voilà, en gros. Mes dépenses. Mon salaire. Tu le sens là, la domination ou... C'est comme ça que ça marche, mon gars. C'est comme ça que ça marche. Eh oui. Alors, carrière. 19-6 en une game, donc je suis outstanding. On est en Amateur League 1. Après, je vous cache pas que quand on va passer dans les 10 000 premiers, genre, ça chie des bulles de carrière. Hein. Mais vraiment. Des bulles carrées. Allez, on est parti. Donc là, on joue contre le WS. Par contre, en mid lane, Ibu, là, il a pris le pick pour carry tout seul. Ils ont pas de tank. Du coup, on fait ça, ça, ça. Et on les démonte, putain. Bitch. Allez, 11-13. Ah, par contre, j'étais un... C'est une des premières games que je gagne où je suis pas en positif, en ratio positif. Allez, on continue, on y va. On est chaud, les gars, on est chaud. Je suis tellement chaud que je brûle ma souris. C'était nul, d'accord. Alors là, il a pris pigeon. On n'a pas de dégâts, ils ont pas de disengage. Du coup, on force. Voilà. Oh là là, mais 19-0! Super coordination dans les team fights! Ah, mais j'ai été tellement chaud bouillant dans la night! 19-0, je crois que c'est une des premières games que je fais où, dans le jeu en tout cas où on ne meurt pas une seule fois. On va pas faire l'erreur de refaire une spécialité. D'ailleurs, on va sauvegarder. Parce qu'on sait jamais si on se retape un bug du turfu. Voilà. Sinon, là, on est loin du banqueroute. Ouais, et genre maintenant que tu gagnes, enfin que je gagne 48 000 crédits par semaine de jeu, et ben je me dis que c'est con que j'ai été en banqueroute pour moins 4000 en fait. Genre j'étais à la dèche pour arriver à 1000. Du coup, on va faire une carrière à la péquée.
Je m'explique. On va jouer. On va rester longtemps. Et avec l'argent qu'on aura amassé. Donc là, mon but, c'est d'essayer de détrôner Birkson. Et après, on va essayer d'en marcher dessus, tout simplement. On va pas. On va pas tortiller du cul pour voilà. Hein. On va être les premiers du jeu. Et Birkson, genre, je vais dans sa ligue et je vais lui éclater la bouche dans la mid lane. Je vais faire du 12-8. 17. Give in and disengage to perfection. Et ouais. Donc, alors, apparemment, leur millénaire il était chaud de night. Et voyons voir. Oh, mais c'est qu'à la fin de cette. Comment dire. De cette journée, nous allons nous laisser. Et ben, en tout cas, sachez que je prends. Vraiment beaucoup de plaisir à en tout cas à faire ces. Ça fait deux fois en tout cas dans la même phrase, on va la refaire. En tout cas, sachez que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et je me force pas du tout. Je me dis pas. Ouais, je me suis dit que je vais faire une vidéo par jour, du coup, enfin. Je me dis quand même que faut que je fasse la vie. Que je la poste en fait. Parce qu'en soi, je les tourne l'une après l'autre. En fait, je tourne quand j'ai envie de jouer. Et je dois vous avouer que comme là j'ai eu le coup de me dire que dans l'épisode 4 j'allais vous demander quelque chose, du coup je pouvais pas tourner. Les épisodes, puis bon, j'avais quand même besoin de voir un peu parce que j'ai quand même eu des conseils entre temps, hein, faut pas déconner et tout. Et j'avais une de ces envies de jouer, mais toute la semaine, et je pouvais pas parce que je voulais attendre et tout. Et du coup, là, j'ai posté samedi deux vidéos histoire de tout lâcher. Et puis, allez, ouais, c'est parti, on retourne parce que là. Là j'étais chaud. Alors l'opère situatique, on dit pas une stat, ok. Il n'y a pas de zingue, ils ont pas de tank. Ils ont pas de tank. Du coup, destruct frontline, kill midlaner, agressive offensive. Eh oui! Du coup, voilà, on va finir la journée là-dessus. Donc, on va finir sur une victoire quand même. Et bien sûr, 14-8. Et c'est sur ce fabuleux 14-8 qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si elle vous a plu, vous mettez. Un pouce vert, enfin je vous invite à le faire, c'est pas un ordre, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez après. Hein. Si vous voulez être informé de la suite des vidéos, parce que voilà, je le rappelle, c'est une série quotidienne, Programmer Manager. Du coup, il y aura une vidéo par jour. Donnez-moi des informations, est-ce que le format 20 minutes ça va, c'est cool, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court. On n'avait pas dit les hommes, d'ailleurs je suis meilleur joueur, meilleur farmer et tout. Hein. Et je vous invite à vous abonner pour que vous puissiez suivre la chose. Et sachez que si vous mettez des j'aime, quoi, vous me permettez d'arriver dans les vidéos sur le côté de ceux qui regardent, par exemple, quelqu'un qui fait une vidéo sur un jeu similaire, par exemple Game Dev Tycoon. Et du coup, ça fait écho. Et puis moi, dans ce cas, ça me fait super plaisir. Sachez que vos commentaires, je les lis tous. De toute façon, bon, je vous dire, il y en a pas beaucoup, mais en tout cas, pour le peu qu'il y a. Ils me font super plaisir et ils me donnent envie de continuer. Du coup, je vous dis ciao tout le monde. Puis à demain, les gars. Allez, peace!